Ah ben voilà, le tableau est enlevé. Donc là, on n'a jamais assez de prise. Donc je suis en train de refaire tout le tableau électrique de l'aquarium, du gros bac. Voilà, rajouter certaines prises parce que j'avais des prises, comme vous pouvez le voir, qui sont ici et puis au-dessus de l'eau et tout. Enfin bon, ça me plaît pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça au départ. Manque de place peut-être, ou je sais pas. Enfin voilà, donc en fait, il n'y aura plus de prises du tout ici. Juste après, je vais changer la décantation. La décante, non. Donc là, je vais mettre un autre tableau avec plus de prises. Voilà. Donc là, tout est démonté. J'ai laissé principalement pompe de remontée et tumeur, une pompe de brassage, un éclairage. Le temps que je fasse les petites modifs, que je fasse le nouveau tableau. Voilà. Donc ça, c'est l'ancien tableau. Et donc le nouveau. Voilà, je vais mettre un différentiel dessus. Comme vous pouvez voir, un petit schéma de montage, mais finalement, j'ai fait autre chose. Doucement, mais ça avance sûrement. Donc voilà, donc là je vous expliquerai pourquoi j'ai mis un disjoncteur à chaque fois pour certains matériels. Donc il me reste juste cette rampe à alimenter, et par contre par rapport aux autres, j'ai mis qu'un seul disjoncteur. Après il y a certains matériels, il n'y a pas besoin de disjoncteur à chaque prise. Voilà. Bon, ben ça prend forme, hein, tout doucement. Allez, on va continuer. Bon, le tableau est fini de brancher. Tout est fini de brancher. C'est tout bon. Voilà, pour l'instant, j'ai branché comme ça pour faire petit test. On voit déjà les prises si elles marchent. On va faire la petite lampe. J'ai testé également tous les disjoncteurs un par un, donc là, tout fonctionne, tout est bon, c'est impeccable. Voilà, tout est fini, tout est raccordé. Là, je viens d'installer donc le tableau dans le compartiment technique, comme vous pouvez le voir. Bon, il y a pas mal de fils là qui traînent encore. On va essayer d'arranger après tout ça tranquillement, attacher tout. On reste à identifier aussi toutes les prises. Bon, allez, on va continuer. Faire.
Allez amis, ben sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi à quelque chose. En attendant, à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine.